Hey! Salut mes petits loups! Si vous regardez cette vidéo, c'est certainement que vous êtes un débutant qui a envie d'en savoir plus et qui souhaite passer aux choses sérieuses. Je ne peux que vous en féliciter et surtout vous remercier de me choisir en tant que formateur pour vous améliorer. Maintenant que vous avez franchi le cap de vous servir du mode P et que vous vous êtes rendu compte qu'il était simple d'accès et qu'il vous laissait une certaine marge de manœuvre, en tout cas toujours plus que les modes automatiques, on va pouvoir passer la seconde. Les modes A et S, ou AV et TV, sont des modes semi-automatiques. Et on les appelle comme ça parce que vous avez le contrôle absolu sur un des réglages du triangle d'exposition, et c'est l'appareil qui gère automatiquement les deux autres. Dans cette vidéo, je pense que vous l'aurez compris, nous allons voir comment fonctionne le mode A, comment s'en servir, et je vais même vous donner des astuces pour comprendre rapidement le concept de profondeur de champ. Allez, ne traînons pas plus, c'est parti pour le mode A! Alors, nous allons déjà commencer par répondre à une question essentielle. Pourquoi et quand utiliser le mode A? A comme automatique? Eh non, perdu. Ce coup-ci, A, ça signifie pas automatique, mais aperture. Et il est nommé AV chez Canon et Pentax pour aperture value. Et ce mode vous donne le contrôle absolu sur l'ouverture du diaphragme, diaphragme qui se trouve dans les objectifs de vos appareils photo, quel qu'en soit le type, à savoir compact, hybride, bridge ou réflexe. Ce diaphragme est donc composé de plusieurs lamelles courbées qui forment un trou rond et qui sera plus ou moins grand, et cet élément gère plusieurs choses, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la profondeur de champ. Pour les débutants, profondeur de champ est un terme compliqué et vous pouvez le remplacer aisément par zone de netteté si c'est plus clair pour vous. Concrètement, c'est la même chose. Quand on parle d'une grande profondeur de champ, ça signifie tout simplement que la zone de netteté de votre photo est grande. Ça veut donc dire qu'un maximum de choses seront nettes sur votre image finale. En revanche, quand on parle d'une petite profondeur de champ, évidemment, ça veut dire que la zone de netteté est restreinte. Et ainsi, il n'y a qu'une petite partie de votre photo qui est parfaitement nette et tout le reste est plongé dans un flou plus ou moins intense. Flou qu'on appelle aussi bokeh. Bon, ok. Et quand est-ce qu'on l'utilise, le mode A? Alors, on va utiliser le mode A quand on souhaite contrôler la zone de netteté de notre photo. Ça sous-entend donc qu'il faut que ce soit de la photo assez posée, où vous avez le temps d'analyser la scène en face de vous. En gros, s'il y a trop d'action ou des mouvements trop brusques, le mode A sera pas forcément l'idéal. On s'en sert donc énormément en photo de paysage, mais aussi en portrait, en architecture et en nature morte. Pour faire simple, si vous hésitez entre le mode A ou S, vous avez juste à retenir ceci. Est-ce que la scène en face de moi présente une action rapide ou des mouvements brusques? Oui, mode S. Non, mode A. Voilà. Ce mode est donc parfait pour s'initier en douceur au mode semi-automatique, puisque vous serez face à des scènes où tout est immobile ou presque. Ce qui veut dire que vous pourrez prendre le temps de faire vos réglages, de peaufiner votre cadrage, et c'est précisément ce qu'on va faire dans cette vidéo. Ah, une dernière petite chose, si vous avez regardé la vidéo sur le mode P, vous vous souvenez sans doute que j'ai parlé de la réinitialisation des réglages à cause du recalcul de l'exposition au bout de quelques secondes d'inactivité. Alors, dans le mode A, comme dans le mode S, vous avez toujours ce recalcul d'exposition, sauf qu'à chaque fois, vous contrôlez une valeur de façon entièrement manuelle. C'est-à-dire qu'en fait, vous forcez votre appareil à s'accommoder de ce réglage, et c'est à lui de gérer les deux autres paramètres. Si vous préparez votre photo, que vous lâchez le déclencheur pendant quelques secondes, l'écran s'éteindra de la même manière, mais il conservera le réglage que vous avez fait. Donc, dans l'exemple du mode A, admettons que vous ayez réglé l'appareil à, je sais pas, on va dire F4, l'appareil va conserver ce réglage pour toute l'éternité. Et l'éternité, c'est long. Surtout vers la fin. Et si on attend quelques secondes, tout l'écran s'éteint, sauf la valeur ouverture. Je peux même éteindre et rallumer l'appareil, vous voyez, il reste bloqué à F4. Ah, bah voilà. Tu vois quand tu veux, ça va me donner envie d'abandonner le mode P, ça. Ouais, bah je te cache pas que c'était un argument pour moi aussi. En fait, tant que vous ne prenez pas la main pour modifier ce réglage, l'appareil ne prendra jamais l'initiative de le modifier.
Et quand vous allez refaire la mise au point, ce qui va donc recalculer l'exposition, ça va être les deux autres valeurs qui seront susceptibles de changer. Donc dans ce cas, ce sera la vitesse d'obturation et la sensibilité ISO. Alors maintenant, en partant du principe que vous êtes débutant et que vous voulez éventuellement essayer de reproduire les exercices que je vais vous montrer, je vais vous donner quelques conseils pour commencer dans les meilleures conditions. Première chose, comme je vous l'ai dit il y a deux minutes, contentez-vous de ne faire que de la photo posée. Évitez pour le moment tout ce qui bouge trop ou trop vite. Donc la photo de sport, vous oubliez. La photo de fleur qui bouge trop à cause du vent, vous oubliez. L'insecte qui change de perchoir sans arrêt, vous oubliez. Le chien qui n'est pas foutu de rester en place, vous oubliez. Bref, concentrez-vous sur de la photo simple, avec un sujet qui bouge pas ou avec un modèle que vous pourrez diriger, simplement pour lui dire de rester immobile. Et si vous avez personne sous la main ou que votre entourage n'aime pas trop être pris en photo, entraînez-vous sur des figurines, sur des peluches, bah, peu importe. Pour le moment, le but, c'est pas de savoir diriger votre modèle, simplement d'apprendre à faire vos réglages et de comprendre l'impact qu'ils ont. Seconde chose, la lumière. Faites des photos où la lumière est puissante, constante et homogène. Donc là, voilà, comme ça, en plein jour, c'est absolument parfait. Qu'il fasse beau, nuageux, peu importe. Vous pouvez même essayer en intérieur, mais vous avez intérêt à avoir des spots qui envoient du pâté. Hein, donc si vous avez créé une petite ambiance feutrée dans le salon, vous oubliez. Si vous commencez à faire de la photo avec une lumière qui change tout le temps ou qui n'est pas assez puissante, vous allez galérer. Alors, vous les louperez peut-être pas systématiquement, mais c'est soit vous allez avoir des photos floues et ça va vous frustrer, soit vous allez les réussir, mais vous comprendrez pas vraiment pourquoi ça a marché, parce que le coup d'après, bah, ça marchera plus. Vraiment, j'insiste là-dessus. Hein. Simplifiez-vous la tâche au maximum et allez-y étape par étape. Vous n'avez pas appris à marcher en un jour, vous n'avez pas appris à parler en un jour, Rome ne s'est pas faite en un jour, donc vous n'apprendrez pas à faire de la photo en un jour. Et faire de la photo de nuit, dans des endroits sombres ou avec une lumière qui change tout le temps, clairement, c'est pas de la photo pour les débutants. Et si moi, je veux faire de la photo de nuit, hein, comment je fais? Alors, pour l'instant, si vous n'êtes pas sûr de vos réglages, vous pouvez toujours retourner dans le mode P. Les conseils que je viens de vous donner sont uniquement valables si, pour vous, le mode A est tout nouveau et que vous maîtrisez absolument pas le concept de profondeur de champ. Et si vous voulez vraiment faire de la photo en basse lumière, attendez encore quelques minutes. Sachez enfin qu'il y a 4 éléments qui jouent sur la profondeur de champ, mais dans cette vidéo, on va uniquement jouer avec l'ouverture et on verra les 3 autres dans le prochain tuto qui sera beaucoup plus avancé. Alors, maintenant que vous avez compris le principe de fonctionnement, à quel moment vous allez pouvoir utiliser ce mode et que vous avez pris mes conseils en considération, on va pouvoir passer au premier exercice. Alors, pour cet exercice, on va simplement photographier l'endroit dans lequel nous sommes. Si vous souhaitez le reproduire, ce sera bien mieux avec un trépied. Ça vous permettra de faire plusieurs fois la même photo avec exactement le même cadre, juste avec des réglages différents, ce qui vous permettra de les comparer facilement et de bien assimiler les différences. Et si vous n'avez pas de trépied, posez votre appareil sur une table ou sur un banc et ça fera bien l'affaire. Il faudra simplement bien faire attention à ne pas bouger l'appareil entre chaque prise. Donc, pour ce décor, on a de la végétation au fond, ensuite on a la rivière qui est devant, et encore devant, on a les arbres. Et c'est parfait comme configuration, puisqu'on a plusieurs choses à des distances différentes. Et ça va être parfait pour bien comprendre le principe de profondeur de champ. Si vous tentez l'exercice vous-même, essayez de trouver une configuration à peu près équivalente, donc ça devrait pas être trop compliqué, hein. Et au pire des cas, vous pouvez le faire de chez vous, en posant des objets sur une grande table et en les espaçant bien. Je vais me servir de cet objectif, un 17-55 f2.8, et on va se placer ici, assez proche de cet arbre. On va faire le point sur le fond de l'image, donc dans notre cas, ce sera grosso modo les roches qui seront au fond. Et on va commencer à f2.8. On prend la photo et ensuite on va fermer progressivement le diaphragme, donc on va augmenter la valeur f. Alors donc, on commence à f2.8, ensuite f4, ensuite f5-6, f8, F11, F16 et F22. Ok, maintenant on va refaire la même chose, mais on va simplement changer l'endroit de la mise au point, et ce coup-ci, au lieu de la faire sur les roches qui sont au fond, on va le faire sur cet arbre qui est au premier plan. Allez, donc c'est reparti pour la même série.
Voilà, on a terminé cet exercice. On va directement passer au deuxième sans plus tarder. Donc, pour cet exercice-là, on va faire exactement la même chose que dans le premier, sauf que ce coup-ci, on va photographier un simple objet qui sera mon enceinte nomade. Donc, je vous le dis tout de suite, je vais mettre le logo de la marque devant, mais c'est pas du placement de produit, c'est simplement pour voir l'influence de la profondeur de champ dessus. C'est tout. C'est extrêmement chiant d'avoir à préciser ça à chaque fois, mais bon, au moins, les choses sont claires. Alors, on va poser ma petite enceinte sur un tabouret, on va garder le même objectif et on va faire la même série de photos de f2.8 à f22. C'est parti. Et on est bon. Ok, on va faire un troisième exercice et après, on analysera toutes les photos. Alors pour celui-là, on va se tenter un petit portrait, donc ce sera avec moi, hein, désolé. Et on va tester ça avec un 50 mm. Donc ce qu'il y a de bien avec cet objectif, c'est qu'il propose une ouverture assez exceptionnelle de f1.4. Donc on va faire la même série de photos qu'on a faites jusqu'ici, sauf que là, au lieu de commencer à f2.8, on commencera à f1.4. Allez, c'est parti. Donc la première à f1.4. La seconde à f2. La troisième à f2.8. Et après, vous connaissez la musique, donc allez hop, accélérez. Et voilà, c'est enfin terminé. Maintenant, on va pouvoir rentrer à la maison et analyser toutes les photos qu'on vient de prendre. C'est parti. Alors, on va commencer par la photo de paysage et par la première série où on a fait la mise au point sur les rochers qui étaient au fond. Ok, toutes ces photos ont l'air identiques, mais c'est en zoomant dedans qu'on va voir les différences. Si on commence par celle à f2.8, on va aller là où on a fait la mise au point, et là, il n'y a aucun problème, c'est bien net, pas de souci. Si on regarde aux autres valeurs, on ne constate pas de différence, hormis le piqué qui évolue, c'est logique, hein, mais concrètement, la netteté est la même, jusqu'à f22, on est bon. En revanche, si on se déplace, si on se rapproche des bords de l'image, vous voyez que les différents éléments vont devenir de plus en plus flous. Vous voyez que si on s'attarde sur l'arbre, par exemple, il est complètement flou, hein, on ne pourra pas le récupérer. Donc, ça, c'est à f2.8, mais on va rester au même endroit et on va regarder à f4. Voilà. Donc là, vous voyez que l'arbre est toujours flou, mais il l'est quand même un peu moins, hein. On a commencé de récupérer un peu de détails. Au premier plan, c'est la même sanction, c'est toujours un peu flou, mais il y en a un peu moins qu'à f2.8. Ok, on retourne sur l'arbre et on va maintenant regarder à f5.6. Et le flou diminue encore, on récupère encore du détail, mais c'est pas encore ça. On va comparer avec la photo prise à f8, et là, c'est la même sanction, on récupère encore un peu de détail, mais l'arbre n'est toujours pas parfaitement net. On va regarder ce que ça donne à f11, et là, on se rapproche encore plus de la netteté parfaite. Hein, il nous manque vraiment pas grand chose. La prochaine devrait être la bonne. On va regarder à F16. Et oui, voilà, là c'est parfait. Tout est bien net, du centre de la photo vers les bords. Et à F22, il n'y a évidemment aucune différence. Hein. Si tout était déjà bien net à F16, ça changera rien à F22. Par contre, on constate que le piqué s'est bien dégradé à cause de la diffraction. Voilà, maintenant on va pouvoir observer la seconde série de photos où on a fait la mise au point sur l'arbre. Et là, à f2.8, on s'aperçoit que l'arbre est évidemment bien net, mais le fond, lui, est plongé dans le flou total. Si on regarde la photo où j'ai fermé à f4, on s'aperçoit que le flou est moins intense. Ensuite, à f5.6, la logique reste la même, le flou est un peu moins intense et donc on augmente la profondeur de champ. À f8, c'est encore mieux, sans surprise. À f11, pareil. Et d'ailleurs, si on regarde au sol, on voit qu'il a été parfaitement récupéré, et c'est normal puisqu'il est plus proche que la végétation et les roches au fond. Et à f16, c'est comme tout à l'heure, c'est la meilleure valeur qui rendra toute la scène bien nette. C'est un peu moins bien qu'en faisant la mise au point sur le fond de l'image, mais voilà. À la limite, ça pourrait être mieux à f22, mais vu qu'on a de la diffraction qui vient tout gâcher au final, on perd de la netteté. Voyez plutôt.
Voilà, on a terminé avec la photo de paysage, maintenant on va pouvoir passer à la photo de nature morte avec mon enceinte nomade. Donc, à f2.8, on a une photo qui a un joli petit flou d'arrière-plan et surtout, on voit bien que la zone de netteté se cantonne au logo et au couvercle devant. Pour ce qui est du reste, vous voyez que ça se plonge progressivement dans le flou et rapidement, on n'arrive plus à distinguer la petite grille. Si on regarde les différents boutons, on voit que ça se dégrade progressivement à mesure qu'on descend. Si on passe la photo à f4, vous voyez qu'on a récupéré du détail. La profondeur de champ va un peu plus loin, les boutons sont bien nets et le logo est bien mieux défini également. Et si je dézoome, vous constaterez également que l'arrière-plan est un peu moins flou. Donc, on l'a vu aussi tout à l'heure sur la photo de paysage, mais je trouve que c'est plus parlant sur ce genre de photo et c'est pour ça que j'ai fait ce deuxième exercice. Et ce phénomène-là, il est tout à fait normal. Il est dû à la profondeur de champ, puisque plus elle est petite, plus les zones qui ne sont pas à l'endroit où le point a été fait vont être floues. Ok, donc si on regarde maintenant la photo prise à f5.6, on récupère encore plus de détails sur la grille et on peut même observer la texture du tabouret qui devient de plus en plus définie. Si on s'attarde rapidement sur les boutons, vous voyez qu'à partir de f5.6, les détails sont au top. Regardez bien les poussières, je pense que c'est assez parlant. Voilà, maintenant je pense que vous avez compris la logique. À f8, on a la même qualité d'image, mais on augmente la profondeur de champ sur la texture du tabouret et sur la grille. Idem à f11, à f16 et à f22. Alors là, on constate bien le phénomène de diffraction sur les poussières qui sont au premier plan. Regardez bien, à f8, c'est parfait. À f11, on commence à perdre un peu de détails, mais c'est vraiment très très léger, hein. Il n'y a rien d'alarmant. À f16, par contre, ça commence à être un peu plus visible. Là, on commence à perdre les petits détails. Encore une fois, c'est pas très grave non plus, hein, mais voilà. Et à f22, là par contre, on perd encore plus de détails, mais je trouve que ça commence à devenir abusé. Personnellement, c'est un réglage que je fais jamais, hein. Je vais jamais à f22 parce que concrètement, voilà, c'est vraiment pas terrible. On perd trop en piqué et au final, on a presque l'impression qu'on a loupé sa mise au point, donc vraiment, c'est pas intéressant. Ok, on termine avec la photo de portrait. Oh la tronche. Alors, pour cet exercice, souvenez-vous qu'on s'est servi d'un objectif qui ouvrait jusqu'à f1.4, donc on a vraiment une toute petite profondeur de champ. Vous voyez que si on regarde bien en zoomant à 100% dans l'image, les oreilles commencent déjà à plonger dans le flou, donc c'est assez impressionnant. Si on regarde à f2, non seulement on gagne en piqué, mais aussi en profondeur de champ. Mais les oreilles sont toujours un peu floues. À f2.8, là, c'est nickel, l'ensemble du visage est bien net, les oreilles aussi. Par contre, si on remonte un peu et qu'on observe les cheveux, ils sont encore un tout petit peu flous. Regardez à f4, hop, voilà, là, tout est parfait. Et si on grimpe, bien évidemment, il n'y a plus de différence sur le visage, hein, puisque tout était déjà bien net à f4. Là, c'est simplement le fond qui devient de moins en moins flou et le piqué qui commence à se dégrader visiblement à partir de f16. On va remettre la photo en plein écran et voilà l'évolution de l'arrière-plan de f1.4 à f22. Donc vous voyez qu'à f22, c'est vraiment pas terrible, hein. On croirait presque une photo faite au smartphone. Alors, en réalité, c'est toujours mieux qu'avec un smartphone puisque si on zoome à 100%, on constate quand même un léger flou, mais bon, il est quasiment imperceptible. Ouh, voilà, on a terminé. Vous savez quoi, on va ressortir dehors parce que là-dedans, je crève de chaud, c'est plus possible. Hein, allez, on se casse. Pouh, ok, voilà. Alors maintenant que vous avez compris le principe de l'ouverture et l'impact qu'elle a sur vos photos, je vais vous donner une astuce qui vous permettra de bien commencer tout en douceur avec ce réglage. En fait, toutes les valeurs disponibles sont peut-être un peu trop nombreuses et vous avez vite fait de vous dire que trop d'ouverture tue l'ouverture. Donc je vais vous recommander dans un premier temps de n'en retenir que deux. La première, c'est la plus grande ouverture qui est capable de vous proposer votre objectif, ce qui veut dire que la valeur F doit être le plus proche possible de 1. Cette valeur change en fonction de l'objectif que vous allez utiliser et sans doute aussi en fonction de la focale si vous n'êtes pas équipé d'un zoom haut de gamme.
Si je prends le 1855 de base qu'on a avec tous les kits réflexes entrée de gamme, vous voyez que la meilleure ouverture est à f3.5 si je suis à 18 mm. Mais à mesure que je vais zoomer, ça va se fermer progressivement jusqu'à f5.6. Ce qui est normal puisque c'est un objectif à ouverture glissante. Mais vous voyez que si je reviens à 18 mm, l'appareil revient automatiquement à la plus grande ouverture disponible. Donc en fait, tout ce que vous avez à faire, c'est de tourner la molette à gauche jusqu'à ce que cette valeur se bloque, et ensuite c'est l'appareil qui gère tout pour vous. L'intérêt de retenir cette ouverture et de l'utiliser, c'est que non seulement ça vous permettra d'avoir une petite profondeur de champ, ce qui sera parfait si vous faites de la photo de portrait ou de la photo de détail, mais ça vous permettra aussi de faire de la photo dans des endroits sombres, tout en évitant de trop augmenter la sensibilité ISO. Ah, bien, bien, bien. Et pourquoi faut pas monter trop dans les ISO, là? Eh bien, tout simplement pour ne pas faire apparaître trop de bruit numérique qui fait apparaître ce grain désagréable et qui vient dégrader la qualité d'image. Alors, jusqu'à un certain palier comme 800 ou 1600 ISO, généralement ça reste correct, mais au-delà de ces valeurs, commencez à vous méfier sérieusement. La seconde valeur à retenir, c'est F8. Cette valeur est assez universelle, et sur la quasi-totalité des objectifs, F8 permet d'avoir un beau piqué, généralement le meilleur que l'objectif est capable de vous donner. Il est très homogène, et cette valeur sera parfaite pour de la photo de paysage, puisque vous aurez une grande profondeur de champ. Alors, c'est pas avec cette valeur que vous aurez des arrière-plans flous, mais grâce à cette valeur, vous aurez des photos réussies dans la plupart des cas. Si vous êtes avec une lumière puissante, constante et homogène, encore une fois. Si vous constatez que la vitesse d'obturation est trop lente, donc en gros que vous avez une photo floue, ou que votre appareil monte trop haut en sensibilité ISO, retournez à la première valeur que je vous ai recommandée. Et quand tout ça ne vous suffira plus et que vous ressentirez le besoin d'avoir plus de contrôle, de faire des réglages plus propres, alors vous pourrez vous orienter progressivement vers les autres valeurs. Voilà, nous en avons enfin terminé avec cette vidéo qui vous a parlé du mode A. La façon dont on a géré la profondeur de champ, je vous le rappelle, n'est qu'une manière parmi quatre. Cette vidéo va donc être complémentaire avec la prochaine qui arrive et nous allons voir quels sont les autres facteurs qui jouent sur la profondeur de champ. Et si j'en ai pas parlé dans cette vidéo, c'est pour deux raisons. Déjà, parce qu'elle est assez longue comme ça, mais surtout parce que les autres facteurs n'ont pas de rapport spécifique avec le mode A. Moi, je vous dis à très vite, et comme d'habitude, n'oubliez pas le pouce bleu si vous avez bien kiffé la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un commentaire si vous le souhaitez, hein, moi ça me fait toujours plaisir et je prends le temps de vous répondre. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas louper la prochaine vidéo qui améliorera vos connaissances. Allez, salut mes petits loups! Quel qu'en soit le type, à savoir compact, e-bridge, e-bridge, ouh, e-bridge. Après l'iPhone, le e-bridge. Grave, après l'iPhone, la e-bridge, quoi. En gros, s'il y a trop d'actions ou des actions, des mouvements, en gros, je me suis planté. Effectivement. Mais c'est pas grave. Tu vas voir tout à l'heure, c'est t'en as un qui va venir nous agresser là. C'est, je vais me prendre un piaf dans la tronche. Hein. Ça va me faire bizarre. Et c'est parfait comme configuration puisque on a plusieurs choses à des distances différentes. Et ça va être parfait pour bien comprendre le principe du train qui passe. Bon, il faut retenir que le dimanche à 3h30, il y a un train de fret super long. Oui, sauf qu'on est samedi. Eh oui, exact. Bâtard. Je vais me jeter dans l'eau. Je vais me suicider. Adieu, monde cruel. Salut. Un sourire, Gérard. Un sourire. Allez, c'est le moment. Bonjour. Fais un sourire, Gérard. Allez, allez. Voilà. Merci. Ah, mais je savais bien.